Bonjour, bonjour, bonjour. Comment tu vas? Je gère, vous? Ça va, ça va. La préfète est réussie? Oh, gars, c'est chaud. Après le 20, c'est le 21. Petite question où tu ne réfléchis pas, tu dis seulement ce qui te vient en tête, pas de réflexion, ok? D'accord. Alors, les habitants du Cameroun, on les appelle? Les Camerounais. Ceux de la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens. Ceux du Gabon? Les Gabonais. Ceux du Congo? Les Congolais. Ceux du Bangladesh? Bangala. Encore? Bangala. Les Bangladesiens. Yeah! Jésus! Les Bangala. Les Bangalandais. Jesus is Lord. Pardon? Les Bangalandais. Yeah! Encore? Les Bangalaticiens. Yeah! Pardon? Ah, les Bangalandais. Bon là, je ne veux pas dire que je maîtrise vraiment, mais bon, à mon humble avis, ça doit être des... les Bangalandais. Ok, ok. Bon. Je crois que là, je ne sais pas. Ok. C'est Bangladesh ou c'est Bangala quoi, non? Donc là, je ne connais pas. Donc là, je ne sais pas. Wow, je suis coincé. J'en passe. Non, je ne connais pas, frère. Je ne connais pas. Le Bangladesh. Les? Le Bangladesh. Encore? Le Bangladesh. Le Bangladesh. Le Bangladesh. Le Bangladesh. Le Bangladesh. Bon, deuxième question. Tu rentres du boulot fatigué, épuisé. Tu ouvres la porte de ta chambre. Tu trouves madame en pleine action avec quelqu'un d'autre. Tu réagis comment? Je deviens mendôme alors là. Je deviens mendôme. C'est même pas ça. On a tous vu dans les réseaux. Mais elle connaît. C'est la sanction une fois terrible. Dans un hôpital direct, les percutes, ça va sortir comme ça va sortir. Humainement parlant, je serais d'abord surpris. Hein. Bon, deuxièmement, si l'instinct animal ne revient pas au galop, je serais obligé de réagir peut-être mal. Mais deuxièmement, bon, ou d'une troisième fois, je vais regarder. Peut-être autant de réfléchir aussi pour voir. Bon, tout dépend. Tout dépend de ton humeur. Bon, moi, personnellement, d'abord, certes, ça va un peu. Me choquer. Mais je ne vais pas réagir vivement sur le... Comment dirais-je? Sur le moment. Je ne vais pas réagir sur le moment. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais gentiment prendre mes pieds et leur demander de continuer à faire ce qu'ils ont continué à faire. Je vais prendre mes pieds. Je rentre du business, étant fatiguée, je trouve mon mari avec une femme. C'est l'eau chaude que je vais te verser. À la femme. À la femme. Oui. Qui a ramené la femme à la... Mon mari, bien sûr. Et pourquoi c'est la femme qui reçoit le choc? Parce que le cœur me fait mal. Je vais refermer la porte. Je leur demande de continuer juste leur action. Pour revenir. Pour revenir après comment? J'attends qu'ils finissent et ils ouvrent comme ils sont ancrés. Ah, je vais retourner simplement sans toutefois les déranger. Dans la maison où tu habites? Oui, oui, je vais d'abord les laisser finir leur travail. Tu reviens après? Oui, oui. Et tu fais comment, ton mari? La femme s'en va, la femme ne connaissait pas la maison. C'est lui qui amène la femme. Voilà, et la suite, c'est avec le mec. Je n'ose pas imaginer ce qui peut lui arriver. Non, c'est l'autre là, non. Il n'y a pas de négociation. Ça, c'est lui et moi. Problème! Je garde mon calme. C'est tout? C'est tout, je garde mon calme, je sors et je reste bouche bée. Tu laisses et finis de faire ce qu'elle a fait? Normalement. Même après ça, je ne vais pas réagir. Ok, d'accord. Donc tu es super mature. Normalement. Regardez bien le mature.